Ok, salut à tous. Voilà, aujourd'hui, on va parler d'une astuce très efficace dans le jeu FIFA qui permet vraiment de gagner beaucoup d'argent ces temps-ci. D'ailleurs, on en a déjà beaucoup gagné dans notre canal Telegram puisqu'on a fait une première, on a fait une première vidéo là-dessus pour parler d'une autre astuce encore. Et beaucoup ne croyaient pas, mais dans le canal Telegram, on continue à gagner beaucoup avec cette astuce. Et aujourd'hui, on va parler d'une autre astuce encore, toujours dans le jeu FIFA. Pour ceux qui veulent rejoindre le canal Telegram et profiter comme ça de tout cela, c'est simple. Le lien d'abord se trouve dans la description de la vidéo. Et puis, vous pouvez tout simplement aller dans, vous êtes dans Telegram comme ça, vous tapez simplement Afrique Sport. Là, vous tapez Afrique Sport, là, vous allez trouver notre canal Telegram. Là, on publie beaucoup, beaucoup de coupons, beaucoup, beaucoup d'astuces sur les jeux FIFA. Là, on valide beaucoup de coupons au niveau des jeux FIFA. Donc, c'est très important d'intégrer le canal Telegram. Donc, soit vous utilisez le lien, soit vous pouvez tout simplement aller dans Telegram, rechercher Afrique Sport et là, vous allez tomber sur notre canal. Alors, l'astuce. Pour ceux qui ne le savent pas, on va aller terre à terre. Donc, lorsque vous êtes à la page d'accueil comme ceci, vous cliquez sur tout. Là, vous avez eSport, là, ce dernier. Et là, vous avez les jeux FIFA à ce niveau-ci. Ce qui nous intéresse ici, c'est le championnat d'Italie. Là, vous pouvez voir les différents matchs. Là, on a un match en cours qui est à la 13e minute. Hélas, Vérone mène 1-0. Là, on a un match en bas, Roma-Sampdoria qui va commencer dans 15 minutes. Et le match suivant va commencer dans 35 minutes et ainsi de suite. C'est en fait comme ça que cela se passe en tout cas. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, nouveaux, voilà, c'est un peu ça le principe. Donc, là, on va parier, parier au fur et à mesure et les matchs s'enchaînent au courant de la journée. Alors, ce qui nous intéresse ici, là, vous avez les différentes équipes. Mais on va s'attarder sur une seule équipe en particulier. Bon, cette fois-ci, ce n'est pas Inter. Pour ceux qui ont suivi la première vidéo, voilà. Cette fois-ci, ce n'est pas Inter qui est très, très favori dans ce championnat. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, et on va étudier cela ensemble, vous allez voir par vous-même comment cela marche. D'abord, on va aller au niveau des résultats. Parce que c'est là qu'on va analyser les résultats afin de savoir comment placer nos paris dorénavant. Donc là, on est au niveau des résultats. On va dans sport, on est dans résultats. On va rechercher FIFA. Voilà, là on a FIFA, championnat d'Italie. Ok, voilà, là on a championnat d'Italie. Et juste là, sous nos yeux, on a l'équipe qui nous intéresse aujourd'hui, Salernitana. Ok, donc là, Salernitana. Selon mon expérience personnelle, c'est une équipe qui perd vraiment beaucoup, beaucoup de matchs, beaucoup de matchs. Donc, on va essayer de voir cela ensemble. Donc, déjà, là, on peut voir qu'ils ont fait deux matchs nuls d'affilée. Voilà. Mais on va continuer comme ça. On va observer. Il faut qu'on prenne le temps d'observer les résultats tous ensemble afin de tirer des conclusions ensemble. Donc là, on va rechercher Salernitana. Voilà, là il perd 3-1. Là il perd 5-0. Ok, on va continuer comme ça. Il faut être patient, c'est de l'analyse. Il faut être patient, là il perd 4-3. Là il perd 3-1. Ok. Donc on va poursuivre comme ça. Tout ce qui nous intéresse, c'est Salernitana. Là il perd 3-0. Là il perd 2-1. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on peut voir qu'il a fait deux matchs nuls et puis il a perdu tous les matchs, tous les autres matchs. Et voilà, la journée n'est pas terminée. Donc, on va aller comme ça sur la journée d'hier. Voilà, hier. Voilà. On va essayer d'analyser la journée d'hier comme ça. Donc là, on a Salernitana, défaite 4-3. Ok. Salernitana, défaite 3-1. Et on va continuer à scruter toute la journée d'hier. On a Salinata, défaite 3-0. On continue. Salernitana, défaite 2-1. Donc, pas encore de victoire en une seule journée. Défaite 5-4. Ok.
17-7-1. Là, vraiment, on est en train d'étudier tous ensemble. On est en train de constater tous ensemble. Défaite 5-3. Défaite 2-0. Ok. C'est-à-dire, sur cette journée, il n'a même pas fait un match nul. Défaite sur tous les matchs. Et si vous voulez, on peut encore regarder la journée qui précédait. On va aller dans la journée du 28, par exemple. Ok. Bon, là, on va s'arrêter. Là, on va pas passer toute la journée. Bon. On a défait 3-1. Salernitana, c'est une sacrée équipe. C'est une équipe qui perd vraiment. Bon, là, on a défait 5-0. Défait 4-0. Bon, on va continuer à fouiller. Voilà, là, on a un match nul 2-2. C'est dit que les gars, ils ne gagnent pratiquement jamais. Là, on a défait 5-2. Là, on est sur 3 journées déjà et les gars n'ont pas gagné le moindre match. Défaite 1-0. C'est dit, si j'ai bien compté, là, on a défaite 4-0. Si j'ai bien compté, les gars, sur 3 journées, les gars n'ont pas gagné le moindre match. Sur cette journée encore, je pense qu'ils ont fait un nul et c'est tout. Le reste, c'est défaite. Donc, on peut continuer à fouiller comme ça et voilà, je vous laisse continuer à fouiller de votre côté. On va pas, la vidéo va durer 30 minutes si on va fouiller toutes les journées. Donc, vous avez fait le même constat que moi et c'est justement sur ça qu'il faut jouer. Donc là, on est là, on va rechercher le jeu, on repart, on recherche le jeu FIFA. On a FIFA Championnat d'Italie. Donc, vous pouvez voir, les cotes sont assez bonnes. Même Inter, qui est une très bonne équipe, a toujours de très bonnes cotes. Pour ceux qui ont suivi la vidéo où on parlait d'Inter. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez simplement aller dans la vidéo précédente. Vous suivez, on a fait une vidéo sur cette équipe d'Inter. Et là, vous allez aussi pouvoir profiter de cette astuce-là. À propos d'Inter, qui est une équipe très, très en forme. Mais malgré sa forme, vous voyez que les gars, ils ont toujours des cotes, des bonnes cotes, parce que 1,26, c'est des bonnes cotes. Et il arrive que les gars ont 1,50, 1,60 et tout. Donc, c'est des cotes qu'il faut tout simplement profiter et en se basant sur les statistiques. Donc là, vous avez les différents cotes. Les cotes sont très bonnes. On a des 1,40, les 1,60, 1,20, 1,19 et autres. Donc, les cotes sont plutôt bonnes. Et comme je dis, les matchs s'enchaînent. Après le premier match, il y a un dernier match qui va apparaître et tout. Donc, les matchs se succèdent comme ça. Et une fois que vous tombez sur cette équipe de Salernitana, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut parier contre cette équipe. Ou alors, si vous êtes un peu réticent, vous pouvez jouer au moins la double chance. Parce que on a scruté comme ça sur 3 journées. Les gars n'ont pas gagné le moindre match sur 3 journées. Donc, on peut jouer des victoires et pour ceux qui sont un peu réticents, vous pouvez jouer la double chance pour avoir un peu une certaine marge de sécurité. Donc, voilà l'astuce. Elle est très, très fonctionnelle. C'est ça qui permet de gagner maintenant. Il faut profiter au max. Surtout, laissez un pouce bleu, partagez la vidéo pour que les autres aussi puissent en profiter. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est important de s'abonner. Alors, sachez que tout cela se passe sur un Xbet parce que toutes nos astuces, en fait, nous, on fonctionne avec un Xbet. Et ceux qui veulent créer leur compte un Xbet, ceux qui n'ont pas encore de compte et qui veulent créer leur compte un Xbet, suivez juste cette procédure. Voilà, pour ceux qui veulent créer leur compte un Xbet et placer des paris comme ça avec nous et gagner comme nous, c'est très simple. Vous allez simplement dans votre navigateur comme ceci. Vous tapez un Xbet, voilà, vous tapez un Xbet, vous entrez directement dans le site en cliquant sur le premier résultat. Là, on va patienter. Une fois que le site sera ouvert, vous allez tout simplement aller au fond de la page. Voilà, là, c'est ouvert. Vous allez simplement au fond de la page et là, vous avez l'application qui vous est proposée. Donc, vous cliquez dessus, vous téléchargez. Là, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Alors, une fois que vous auriez téléchargé l'application, voilà, vous lancez l'application comme ceci. Cela va s'ouvrir, ça va se présenter comme ceci. Et là, vous cliquez tout simplement sur inscription et vous choisissez l'inscription par numéro de téléphone.
Tout ce que vous avez à faire ici, c'est de remplir votre numéro de téléphone à ce niveau. Et juste en bas, on vous demande un code promo. Alors, à l'endroit du code promo, il est très important que vous mettez le code promo MANA comme ceci, MANA64. Donc, vous mettez MANA64 comme ceci. Vous cochez toutes ces petites cases-là et vous validez votre inscription en bas sur le verre. Lorsque vous introduisez ce code promo MANA64, cela vous permet à vous de doubler le premier montant que vous allez déposer sur votre compte et d'avoir droit aussi à plusieurs autres avantages qu'on ne va pas citer ici. Donc, une fois que vous avez fait cela, vous pouvez déjà faire votre premier dépôt et commencer à jouer nos pronostics que nous donnons sur la chaîne. Faites donc cela et on se retrouve demain pour partager encore ensemble d'autres pronostics.